Bruno, MAPR, vit sa meilleure vie, depuis sa séparation avec Alicia, les internautes exaspérés par son attitude. Alicia et Bruno se sont dit oui lors de la saison 6 de Mariés au premier regard et leur large communauté voulait croire à leur amour toujours. Leur récente séparation a touché les internautes qui n'apprécient guère et l'attitude de Bruno très légère. Sur Instagram, sa dernière publication a été accueillie par une volée de bois vert. Deux salles, deux ambiances. Depuis plusieurs semaines, Alicia et Bruno, révélés dans la saison 6 de Mariés au premier regard, font parler d'eux. Un temps fusionnel et amoureux fou, les jeunes époux auraient choisi de faire une pause dans leur relation. Une séparation d'abord cachée à leur communauté qui a toutefois fini par comprendre que quelque chose n'allait pas, lorsque Bruno a revêtu sa plus belle cape d'invisibilité pour le 30e anniversaire de sa femme. C'est finalement Alicia qui a courageusement saisi le taureau par les cornes et révélé qu'ils traversaient une crise. Depuis quelques jours, beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi Bruno est moins présent dans mes stories. Je me tenais de vous répondre. Nous faisons une pause pour se recentrer chacun de notre côté. Une séparation qui s'avère des plus douloureuses pour Alicia. La ravissante infirmière n'a pas caché son mal-être ce dimanche 28 mai 2023 dans une story Instagram. Merci pour vos messages si touchants. Je ne peux pas répondre à ces nombreux mots de courage et d'amour. Alors je fais une réponse générale ici. Vous m'avez réchauffé le cœur, vous êtes incroyable. Il est vrai que je n'ai pas le moral, d'où ma distance. Mais ça ira, a-t-elle déclaré. Le dernier cliché dévoilé sur les réseaux le montre dans un transat au bord d'un lac à la nuit tombante, les lumières d'un restaurant ou d'un bar derrière lui. Off, indique-t-il simplement. Une publication qui a fini par faire perdre leur sang-froid à des abonnés attristés par la séparation du couple et par l'apparente désinvolture de Bruno. Aucun jugement de ma part, mais prôner les valeurs de la famille, du mariage. Prendre un congé sabbatique soi-disant pour son couple, témoigner encore ce soir sur M6 et passer son temps tel un ado à mettre la musique à fond dans sa voiture et donner le sentiment que vous vivez actuellement votre meilleure vie, que recherchiez-vous en vous inscrivant sur ce programme? Point. Une pseudo-notoriété car trop âgé pour passer par la case télé-réalité classique? Quel gamin! L'image qu'il nous renvoie est peu flatteuse. Beaucoup de couples se séparent mais de façon digne. Il est juste trop immature, ou juste c'est son vrai visage qu'on voit maintenant,
un comportement pas digne d'un homme mûr, il prend et il jette cet immonde. Se sont-ils énervés, nombreux. Une colère sans doute à la hauteur des espoirs qu'avait fait naître la jolie histoire de Bruno et Alicia.